14h53, France Info Express. L'Afrique du Sud, deuxième étape de la tournée africaine de George Bush. Ce matin, le président américain a rencontré son homologue sud-africain Thabo Mbeki. La tournée africaine de George Bush va le mener ensuite au Botswana, en Angouda, au Botswana et au Nigeria. Voilà. Non mais on peut peut-être faire réagir Grégory quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sais le dire, ce pays s'appelle l'Ouganda. Voilà. Et vous comprenez pourquoi on devient chef, c'est parce qu'au bout d'un moment on vous vire de l'antenne et qu'on vous met à la rédaction en chef. Alors, le seul petit problème, c'est qu'en général quand il y en a un qui commence, et c'est contagieux en fait. Donc ouais. Grégory a commencé, puis derrière. La visite de George Bush aujourd'hui en Angouda a donné l'occasion au président américain de mesurer les efforts de ce pays d'Afrique centrale dans la lutte contre le sida. Le journal Virginie Lebrun. Il était considéré comme l'un des plus sanguinaires des spots africains. Hamid Dada est mort. L'ancien dictateur ougandais, est décédé ce matin à l'hôpital saoudien. C'est ce qu'on appelle désormais, d'ailleurs, dans la rédac, la solidarité angoudaise.